Étape 2, Saint-Lô-Cherbourg. Donc ça sera une étape bien vallonnée, surtout en début d'étape, pour ensuite aller sur la côte de la Manche. Donc là, ça va être un peu plus plat en milieu d'étape. Et après, ça va vraiment se corser sur le final à partir de Barneville-Carteret, où on va commencer à monter, descendre tout le temps le long de la mer avec des superbes paysages. Et ensuite, vraiment, sur l'arrivée de Cherbourg dans le final, il va y avoir une côte à un petit peu moins de 10 km de l'arrivée, suivie d'un long faux plat, une longue descente vers le port de Cherbourg. On contourne le port et ensuite une longue ligne droite avant d'attaquer la dernière ascension qui sera plutôt roulante dans la première partie, le premier kilomètre, et ensuite un rond-point à gauche à environ 2,5 km de l'arrivée où là ça va vraiment se corser et passer les 10-12%. Ensuite, vraiment dans les deux derniers kilomètres un petit peu sinueux pour un dernier virage à gauche après une légère descente à 700 mètres de la ligne et puis une remontée de 700 mètres sur une route vraiment large. Donc un final tortueux, assez dur et qui va vraiment, je pense, couronner un coureur de classique ardennaise.